je m'appelle Elsa Nardini. Vous êtes un peu dans le temple du dog argentin parce que ça fait 25 ans que j'élève des dogs argentins. J'ai sans doute l'élevage entre guillemets le plus connu et le plus grand d'Europe et parmi les plus connus au monde. J'ai eu mon premier dog argentin à 17 ans, donc ça fait longtemps, je vis avec eux. Voilà, après, l'idée, enfin, je pense que vous êtes tous là pour faire de l'éducation, etc. Et c'est une super idée qu'ils ont eue parce que souvent les éducateurs, donc nous, les éleveurs, on est amenés à vous croiser dans nos vies par rapport à nos clients. Mais souvent les éducateurs, ils n'ont pas d'idée en fait de ce qui se passe en amont dans le travail, etc. Et puis les chiens d'élevage, c'est différent l'approche. Comme il a dit, nous par exemple, on n'a pas des chiens qui ont des limites, les limites qui peuvent être posées par des propriétaires qui ont besoin que leurs chiens vivent à la maison, etc. Quand on arrive à avoir la bonne relation avec un dog argentin, après on ne peut plus s'entasser. C'est vraiment un chien qui est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir cette relation-là, parce qu'il faut un minimum de dosage, il faut vraiment doser, c'est au millimètre près. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. This hero that comes into Valhalla does not lament his death.